Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons Transformers The Last Night Dragonstorm, qui est une version, je crois, c'est Leader Size. Mais bref, ce sont deux figurines Voyager Size qui se combinent en un dragon Leader Size. Donc, ouais, on a la boîte ici. Rien de super intéressant. On a petite image du dragon ici, et ici on regarde clairement, étrangement le dragon, bon d'un il est pas très identique au film, mais il y a beaucoup d'épines. On dirait que le dragon est fait d'épines, style des épines d'une rose, des épines d'un herbe, mais le film n'était pas tout à fait comme ça, et ce robot-là est pas tout à fait non plus comme ça. Donc, si on revient en arrière ici, on a une petite image juste en haut de Storm Rain et Dragonicus qui se combinent pour faire Dragon Storm. Donc, Storm et Dragon Storm. Et étrangement, ça dit pour Dragonicus, ça prend 26 étapes pour le transformer, et Storm Rain, ça en prend 27. Peut-être c'est vrai pour Dragonicus, parce qu'il est quand même beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus d'étapes pour le transformer. Par contre, Storm Rain, il y a vraiment pas, ils se sont vraiment pas forcés. On dirait que c'était comme, ce sont les risques qui restent du dragon, voici un robot. Ça donne vraiment l'impression. Ils se sont pas beaucoup forcés pour lui. Mais bref, on revient sur le côté et on a encore une merveilleuse image du dragon épineux. Ouais. Donc, on ouvre la boîte. À l'intérieur, nous avons les instructions. Instructions quand même correctes. La transformation est relativement très facile. Pas eu très de problèmes. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'ai eu des transformeurs de plus petite taille avec des instructions qui se déplient, qui pouvaient faire une muraille une muraille chez nous de poster. Mais celles-ci sont plutôt quand même petites comme instructions pour un transformeur avec autant d'étapes et de trucs compliqués. Mais bref, ouais, les instructions. On n'a pas de besoin. Donc, on va venir ici pour le mode dragon. Et juste avant, on va commencer un petit coup d'œil aux armes. Donc, on a deux épées ici qui sont plutôt identiques les deux. Alors, peux-tu faire un focus? Focus! Bon, ces deux épées sont identiques, ils ont rien de plus ou de moins l'une de l'autre. Une petite poignée, aucune couleur, gris, mort, plastique, rien de très spécial. Et on a ici, je crois qu'on appelle ça une Morning Star, ou plutôt juste une massue. Donc, ouais, on a un petit peg ici, petit pommeau au bout ici, et personnellement, on dirait une citrouille qui était carvée comme un masque médiéval. Mais j'aime pas trop le look vide avec des lignes dedans. En mode dragon, on peut brancher les armes ici aux ailes. Il y a des petits pegs. On peut brancher les épées. Comme cela. De chaque côté. Et dans le trou. Et voilà. Et juste ici, il y a un autre peg que l'on peut venir brancher la massue. Donc, on a un dragon avec des armes, ce qui est pas... Déjà, je trouve que les véhicules avec des armes, c'est pas mon fort. Et maintenant, on met des armes sur un dragon. Donc, oui, quand même, mode dragon que j'aime beaucoup. Juste, petit... Bon, on va enlever les armes parce que c'est assez nul. En le sortant de la boîte, faites très attention. De 1, il est très mal transformé. De 1, la queue ici n'est pas sortie, donc on doit lever le pied ici, sortir la queue, rebrancher ça ici et sortir le bout. Donc là, on a la queue de sortie. Deuxième chose, juste ici, au centre,
Moi, personnellement, j'avais la tête de Dragonicus de sortie. Donc, on avait les trois têtes de dragon, plus la tête de Dragonicus ici, qui faisait vraiment bizarre. Donc, la retransformer, ne pas oublier de la serrer. Et troisième chose, ici, ce sont des. On se le cachera pas, les trois têtes de dragon forment des bras. Et ceux-ci sont des épaulières, des protecteurs d'épaule, mais ces pièces-là adorent tomber. Ça va arriver, je vous le garantis. C'est une chose que c'est garanti qu'il va arriver. C'est que c'est au moins une fois, je dirais trois, mais ça va arriver très souvent que c'est. Ces épaulières vont tomber, vont popper out et ça me met sur les nerfs. C'est absolument là. Wow. C'est la chose qui me frustre vraiment de la figurine. Tout le reste est beau, bien, j'adore. C'est un beau dragon, il est bien articulé et tout, mais les épaulières qui revolent et qui sont durs à brancher et encore plus durs à laisser sur les bras. Mais bref, articulation, les têtes, les trois coups sont absolument identiques. Donc, on a la tête qui pivote au cou, la gueule qui peut s'ouvrir et se fermer. On a un pivot ici en haut, un pivot ici, et on a le cou sur un ball joint. Les bras, on a un ball joint à l'épaule ici, avec une articulation au coude et la main qui peut. Elle descend pas plus que ça, malheureusement, mais elle peut monter à plat comme ça. Les ailes, on a une articulation ici, ici. Ensuite, on a un autre pivot qui va simplement à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ça, c'est le maximum qui peut aller. Donc, un petit peu étrange. Ensuite, les jambes arrière. La jambe ici, c'est défaite. On rebranche. Donc, les jambes arrière, on a un pivot. On a une rotation ici avec. Un soft ratchet, que je dirais, avec un mouvement à l'extérieur. On a un petit mouvement au genou ici, mais c'est surtout pour la transformation. Pour le pied, on a un pivot qui est très serré et un petit port joint tilt, mais vraiment pas beaucoup, c'est très limité. Donc, ouais, on a ici Dragon Swarm en mode dragon. Et fait penser un petit peu à un monstre dans Godzilla. Comparaison ici avec un robot de la même ligne. Nous avons le Optimus Voyager Size. Bien sûr, je l'ai mis en mode camion parce que ben, c'est le mode alternatif de deux robots ici. En mode dragon, donc un camion. On va revenir plus tard pour comparaison en mode robot chaque. Mais ouais, juste. C'est quand même un très gros dragon comparé le petit camion. étrangement, ce que je voulais surtout montrer, c'est que la seule autre figurine qui me fait beaucoup penser à Dragonstorm est Slug du dernier film, du film précédent. Donc, bon, il n'est pas dans le film, c'est plus de la série du film précédent. Donc, Slug, il me fait beaucoup penser un petit peu à la transformation, le fait que c'est le plastique rubber qui est utilisé. Mais bref, ça me fait beaucoup penser à ça. Mais une autre chose qui me fait beaucoup penser, c'est à toute l'articulation, la transformation en mode dragon. À quel point que tout doit se connecter, rentrer, plier, contorsionner pour que tout tienne ensemble me fait excessivement penser à Magmatron de Beast Wars. Lui, il est en mode robot combiné, mais la façon que tout est branché et connecté et plugué ensemble, ça me fait vraiment penser à ce mode-là en mode dragon. Donc, ouais, c'est vraiment dur à expliquer. Il faut vraiment que vous ayez Magmatron dans votre collection pour comprendre un peu. Mais juste la façon que toutes les pièces bizarres se connectent de d'autres façons bizarres, mais que ça fonctionne, c'est exactement le feeling que j'ai avec Dragonstorm. Un petit truc que j'ai oublié de mentionner, les trois têtes. C'est pas un truc que j'aime beaucoup, mais les trois têtes sont en
rubber plastique très mou. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que un enfant peut s'arracher un œil avec ça, j'imagine. Ou les toutes petites dents. Je peux comprendre peut-être pour les petites dents, mais elles sont tellement petites encore là. Je comprends pas. J'ai vu des weapons, des armes de Transformers avec plus de spikes. Juste ici, la queue. Déjà, juste ça, c'est beaucoup plus pointu. Puis, il n'y a pas trop de problème. Et le bout de la queue aussi est en rubber mou. Donc, c'est pas mal ça. Et on peut passer maintenant à la déconstruction, la transformation, mais à le défaire en deux. Donc, on va commencer ici. On va mettre les pattes droites. On met les coups toutes bien alignées vers le haut avec les pattes complètement. Donc, on l'aplatit complètement. On vient ici au torse et on peut voir qu'il y a comme une ligne sur le torse qui sépare ici. Faut l'ouvrir sur cette ligne-là. Et voilà. Donc, on tourne ici. On tourne ici et déjà le centre s'enlève. Et lui, c'est tout ça, c'est Storm. Bah, j'ai oublié son nom. Tagonicus, Storm. Bah, oh, il est très bon. Donc, oui, on vient ici avec Dragonicus. Et Storm. Non, j'ai eu un fart. Bref, excusez. Ok, on vient ici. On commence tout d'abord par la tête. La tête, faites attention, elle aime popper out facilement. Comme là, elle était déjà sortie de son socle. La tête, autant que les épaulières aiment tomber. Et ça m'étonne, les épaulières n'ont pas encore tombé. Ça m'étonne vraiment beaucoup. J'ai été capable d'ouvrir ça sans que rien explose. Il y a quelque chose qui va arriver. Bref, on rit. On doit pivoter les bras comme ça ici. Et on ramène encore la tête, les bras, les têtes de dragon vers le haut. Donc, on vient ici. On plie les bras comme cela. Et on les pivote comme cela. Donc, on ferme le bras en deux et on les ramène ici pour que les mains se mettent à prier ensemble. Comme cela. Que les mains soient dans le fond le plus possible. Comme ça. Et que les mains plus ou moins s'interloquent. Ensuite, on peut refermer le torse. Refermer le torse tranquillement. Et sur ces épaules-là, il y a des petites tables qui vont brancher à l'intérieur ici, de chaque côté. Donc, on vient et on branche. Et aussi, ne pas oublier, faire attention au centre ici qui va se brancher. Et voilà, comme cela. On peut voir maintenant où est-ce qu'on s'en va avec Dragonicus. Donc, on fait, ramène les bras vers le bas. Ensuite, on ouvre le petit panneau sur les. Bon, si vous voulez, vous pouvez laisser aussi les mains être des mains de dinosaures, de dragon. C'est. Ouais, c'est à votre goût. Mais bref, on peut revenir ici. On ouvre les mains. On ferme. On ferme. On pivote. Et maintenant, on a un bras de fait. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre ici. On sort la main. Comme cela. On ferme le cou. Donc là, il y a des têtes de dinosaures comme coude. Mais bref. Et pour les jambes, maintenant, on déclipse le genou ici, qui est le derrière de la jambe du dragon. Et on vient étirer comme cela, debout. On ouvre le talon ici et on pivote la jambe complètement de l'autre côté. Même chose ici. Donc on déclipe la genouillère ici et on ramène le tout comme cela jusqu'à ce que ça clippe. On ouvre les pieds et les orteils et on pivote la jambe de l'autre côté. Et je vous laisse le choix. Et je vous laisse deviner quoi faire avec la fin. Donc on ramène. Ça comme ça. Ça ici, on branche le tout. Donc, ouais, on a Dragonicus complètement
transformer. Pour les ailes, maintenant, on peut les laisser ouvrir, fermer, ou c'est à votre guise. On peut lui donner les armes. On va lui donner deux épées. Je crois que c'était ça qui était montré sur la boîte. Donc, on a Dragonicus complètement transformé. Et juste le petit coin de l'épaule ici qui a de la misère à tenir. Hey, ça m'étonne. Les épaulières, sérieusement, ils n'ont pas explosé de toute la transformation. Je pense que je vais aller m'acheter un 649. Un billet de loto. Donc, on vient ici avec Storm. J'ai encore oublié son nom. J'ai vraiment un blanc. Bref. c'est tout ce qui reste avec lui. Et comme je vous ai dit, c'est très louche. On dirait un verre de 1. Et ouais. Bref. Comme je vous dis, la transformation de lui, c'est très à désirer. Donc, tout d'abord, on lève le cul du dragon. On rabat ici la jambe en bas. On sort les orteils. On tourne la jambe. On tourne la jambe ici. Elle n'a pas besoin d'être dépliée. On ferme la queue à l'intérieur. Et on pivote la taille comme ça là. On revient en arrière ici. Le bras ici, on peut voir que le bras est comme contorsionné autour de la tête. On lève le bras ici et on fait tout pivoter comme cela. On peut venir au bras ici. On tourne le bras. Et en dessous ici, on a la main que l'on pivote. Ensuite, on a juste ici, on tourne ça comme ça. Et en même temps, on remet comme ça. Hey, je fais vraiment attention, mais les épaulières n'ont toujours pas explosé. Et c'est très étonnant. Ensuite, dernièrement, on fait juste tourner la tête comme ça. On remet de l'autre côté. La main est exactement pareille comme Dragonicus. Et on flippe comme cela. On sort la main, on ferme le capot. Et on... Et voilà, l'épaulière vient de lâcher. Ah, je le savais. Donc, ouais, on revient... Où est-ce qu'elle est, l'épaulière? Un petit ici. On revient reposer l'épaulière. Qui... veut pas. Simplement. Et voilà. Et maintenant, en dernier de tout, on va juste ramener le fessier du dragon. Et on le ramène vers le haut. Maintenant, il y a des petites coches entre ici qui devraient se brancher ici. Mais ça ne branche pas vraiment parce que il danse toujours pareil. Et ça m'énerve. Même si on tient solidement, ça danse pareil. Et ça m'énerve. Et bref, on peut lui donner aussi son arme. La grosse massue. Et voilà, on a Storm. Storm quelque chose que j'ai oublié son nom déjà. Parce qu'il est très oubliable comme figurine. Avec Dragonicus qui forme Dragonstorm. Et vraiment, le duo ensemble est superbe. La peinture à elle seule vaut quand même son pesant d'or. Si on ramène ici juste le plastron de Dragonicus, on voit que c'était que c'est chrome avec de la peinture brune, sale, boîte. Délavé dessus et c'est vraiment superbe. Même chose pour le derrière ici des ailes. Toutes les ailes sont... Bon, il y a de la couleur un peu là. Ici c'est beige, ici c'est brun foncé. Mais le tout est quand même washé d'un chrome vraiment beau. Donc, ouais. On ferme, on plie tout. On ramène. Et... ouais. Même chose pour lui aussi. Ici, c'était un plastron plus gris plastique. Et là, il y a comme de la boue vraiment bien fait. C'est beau. C'est vraiment pas squeak qui est comme du caca étalé partout. Même chose pour les bottes. Donc, superbe. On va lui enlever son arme pour commencer. Articulation, la tête ici n'est que sur un pivot gauche-droite. Les bras sont sur un ball joint à l'épaule avec un swivel en haut du bras et un joint ici qui monte descend. Malheureusement, il n'y a rien pour le poignet. Storm. Merde, c'est quoi donc son autre nom? Ça m'énerve. Storm Rain! Ok, c'est écrit là-bas. Donc, Storm Rain. Storm Rain, à lui seul, a une articulation à la taille que Dragonicus n'a pas. Les jambes peuvent faire la split à la Van Damme et peuvent aller de l'avant 90 degrés.
Même chose vers l'arrière. Le genou, bon, ce genou-là se défait, mais il peut plier 90 degrés et l'orteil peut pivoter un petit peu. Donc, c'est pas mal tout pour Storm Rain. Je l'ai maintenant. Sinon, de derrière, c'est vraiment pas très beau. C'est tout vide. Les jambes, bon, je suis habitué des jambes de Hasbro qui sont vides, mais là, c'est laid. On peut lui mettre son arme dans le dos. Ça lui donne un petit truc quand même. J'aurais vraiment aimé plutôt si ce capot-là, on pouvait le tourner et le fermer et lui faire comme ça. Ça lui aurait fait un gros dos, mais quand même, ça lui aurait fait quand même une forme de dos dans le dos. Sinon, là, ça a juste l'air laid. Donc, Storm Rain, fait. Et on peut... Commence pas à tester ma patience. C'est déjà beau que tes épaules n'ont pas explosé souvent. Donc, on revient ici avec Dragonicus. Et on va lui enlever ses épées. Donc, la tête est sur un petit ball joint à celui-ci. Il peut pivoter gauche-droite, mais c'est quand même bloqué par toute l'armure qu'il y a à côté. Et il peut pivoter sur les côtés comme ça. On a ball joint en haut des épaules, un swivel en haut du bras, une articulation au coude. C'est pareil pour Storm Rain. On n'a pas d'articulation à la taille. Par contre, la jambe peut plier 90 degrés à... Ben, peut pivoter 90 degrés en avant, un petit peu en arrière, mais les ailes et tout rentrent là-dedans. Le genou peut plier 90 degrés. La taille vient de se défaire, mais il n'y a pas d'articulation à la taille. Et quand on sort, c'est un petit ratchet, un soft ratchet comme on dit, pour le mouvement extérieur des jambes. On a un swivel en haut de la cuisse. Et le pied, pas grand-chose. On peut pivoter un petit peu, mais... tourner, mais c'est très limité. Donc on a Dragonicus robot quand même fait, et un petit focus. On peut faire une autre comparaison ici, petite comparaison avec le Voyager Optimus Prime de Last Night. Donc on peut voir que maintenant qu'ils sont séparés, Optimus est quand même... Même il est une petite affaire plus grand. Même si on voit que Dragonicus est quand même beaucoup plus gros et massif. Et on parle pas de lui. Comparé Optimus Prime, reste que Optimus Prime est quand même une petite tête plus grand que les autres. Donc, pour des figurines Voyager. Donc oui, Dragonicus, vous êtes chanceux. J'ai pas beaucoup ragé avec les épaulières. Une seule n'a qu'explosé. Autrement, je joue avec un petit peu et les épaulières sont partout dans mon salon. Donc, oui, quand même, une superbe belle figurine. Je la suggère fortement. Juste là, comme la transformation à mettre en dragon est superbe. Fait beaucoup penser, comme je disais, à Magmatron de Beast Wars. Donc, ouais, selon moi, c'est quand même une des rares figurines, une des... Alors, des trois figurines que j'adore beaucoup du film, qui valent vraiment la peine de se procurer. La première étant le Voyager Optimus Prime, la deuxième étant Cogman, et troisième étant Dragonicus et Storm Rain, qui forment Dragon Swarm. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour la revue. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine!